Eh bien, salut à tous les amis, c'est MrKiller42. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Non, c'est pas la fin de ma chaîne, mais ça pourrait peut-être l'être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, déjà, je vais quand même essayer de faire une vidéo. Le problème, c'est que comme vous le voyez, j'enregistre en différé et j'ai simplement une image. Pourquoi je n'ai qu'une image? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait, je ne peux plus filmer avec mon iPhone comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Je vous ai dit que je pourrais peut-être arriver à de nouveau filmer, mais ça ne pourrait pas être le cas, puisque en fait je filmais avec Cydia. Donc j'ai dû réinitialiser mon iPhone, ce qui a fait qu'il n'y est plus. Et je ne veux pas prendre le risque de réessayer et de foutre en l'air mon iPhone. Donc alors ce que je pourrais faire, ce que je vous propose, c'est tout simplement, c'est soit je continue les vidéos, mais je vous fais que des images, je fais les présentations de mise à jour, je pourrais pas vous faire des vidéos d'attaque, je pourrais pas vous faire des vidéos d'attaque, ou sinon, bah ouais, je vous fais des villages comme vous voyez là, sauf que je fais plusieurs screens, ce qui ferait que, par exemple, en gros, je sais pas comment vous expliquer. En gros, je ne ferai plus de vidéos d'attaque, je sais pas, de mission gobelin, tout bastringue. Ce que je pourrais faire. Oula, il y a machine qui fait des bruits suspicieux. Tu pas de test, s'il te plaît? Saloperie de chien. Donc, ce que je ferais, c'est par exemple, je ferais des time-lapse. Comment je ferais? Vous verrez. Enfin, je me débrouillerai. Genre, en gros, je ferai plusieurs screens du même angle. Avec, par exemple, je rajoute une ligne de muraille à chaque fois de tout le level d'HDV. Donc, mettez-moi dans la dé... dans le... dans les commentaires les hôtels de ville et de rush ou de farm que vous voulez que je fasse de le village. Je le ferai, mais en différé, comme je viens de vous l'expliquer. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je ferai la présentation des mises à jour en différé aussi, vu que je peux plus filmer. Enfin, ça, je pense que vous avez compris. Si ça vous plaît pas, si vous n'aimez pas autre que c'est une mauvaise idée, et ben je serai dans l'obligation de vous annoncer que ma chaîne se termine, enfin se met en pause, hein, jusqu'à ce que je trouve un autre moyen de filmer, mais ce qui ne sera pas le cas, ce qui ne sera pas le cas d'ici demain. Donc je vais quand même faire une petite vidéo aujourd'hui, c'est sur le village que j'ai créé ce matin à la ZUB. Comment je m'y suis pris, je me suis levé, j'ai fait mince, je suis en avance. Je vais essayer de voir si on peut faire le contour du village avec les murailles. À ma grande surprise, j'ai pu le faire. Et ça m'a inspiré de créer un nouveau village de farm. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis l'HDV en dehors, en mode farm. Après, au centre, j'ai protégé, pardon, mon élixir noir. J'ai mis les tours de sorcier autour pour éviter les gobelins. Parce que les mecs qui vont être friands, ils vont dire ah, on va attaquer en balançant les gobelins et sort d'orage. Sauf que les tours de sorcier sont vraiment vulnérables, enfin, sont vraiment dangereuses pour les gobelins, donc servent à défendre les ressources. Après, j'ai placé les arcs-X, j'ai placé les canons tous au centre pour bien que ça protège le centre. Donc, si vous avez des murailles de merde, mais de bonne défense, franchement, celui-là, je vous le conseille. Parce que regardez, moi, franchement, je me suis fait attaquer, il y en a qui ont essayé, personne n'y est arrivé. J'ai mis les arcs-X. J'ai protégé les extracteurs d'élixir noir, ce qui fait que ils sont pas touchés, donc je perds pas d'élixir. Mes réserves sont assez bien protégées aussi. Les extracteurs d'or et élixir aussi. C'est plutôt pas mal. Bon, l'HDV, par contre, vous perdez à chaque fois, mais quand on farm, c'est un bon point. Voilà pour ce qui est du village. Après, vous faites. Vous pouvez les disposer, enfin, vous pouvez disposer vos défenses d'une autre manière, hein, à vous voir. Maintenant, je vais revenir à la FAQ. J'avais dit que je ferai la FAQ dans pas longtemps en compagnie d'un youtubeur français connu ou pas connu, ça je m'en fous. J'ai décidé avec Airways03, que vous devez sûrement connaître, de faire la FAQ avec lui. Donc quand est-ce que je vais la faire? Je ne sais pas, il n'y a pas eu beaucoup de questions, à part, il y a eu des questions drôles, donc j'y répondrai, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a ceux qui ont répété 15 fois les mêmes questions. Donc si vous avez d'autres questions,
n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo qui est dédiée à cette question. Et j'y répondrai prochainement dès que lui et moi nous serons disponibles. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de cette mauvaise nouvelle. Et je vous demande dans les commentaires de m'informer de votre opinion personnelle sur cette malheureuse et triste nouvelle. Merci à vous. Ciao.